Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, épisode numéro 10, ici d'Alex Hunter. Donc on continue avec Danny Williams, on s'est arrêté juste avant qu'on a joué donc avec Danny Williams, avec Alex Hunter, où on a fait notre victoire contre Tottenham à nouveau 3-2. Et là maintenant on part avec Danny Williams, que a affronté donc le PSG la dernière fois, donc celle de son frère, où on a eu vraiment du mal à marquer. À la dernière minute, on a réussi à marquer. J'espère que pour le retour, ça va être mieux. Là, je pense qu'on va faire aussi le retour, hein, donc avec Danny Williams. C'est-à-dire que on va se la rejouer. Mmh. Ah, ça, c'est la séance avec la lumière, le fish and chips, ce qu'il nous avait organisé, notre ami. Est-ce que tu peux prendre ce truc? Ouais. C'est un réflecteur de lumière. Vas-y, mets-toi là. Incline-le. Bien, encore un peu. Voilà, comme ça. Ouais. Danny, salut. Un tout petit peu plus haut. Ouais, super. Ok. C'est pas la même chose comme chez Alex Hunter, vous voyez. Merci, Danny. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose comme chez Alex Hunter. Donc, c'est moins professionnel. Voilà, on voit que c'est pas ce truc vraiment énorme. Donc, c'est vraiment un truc un peu... bas de gamme, hein, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi est-ce que Danny Williams aurait besoin de ces trucs bas de gamme. Je comprends pas, mais bon. Après, ça reste à lui. Je pense, moi, j'aurais pas choisi de faire ça, hein, parce que je pense que Danny Williams est quand même. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? On va faire l'entraînement, les gars, et on revient juste après. Génial. Entraînement fini les gars, voilà, BEA, c'était pas aussi difficile que ça, bon certes que c'était avec Denis, c'est un peu... À la douche. Voilà. On a bien entraîné, on s'est bien entraîné, donc on a bien fait nos choses, donc pour là, on va dire que on va pas trop se plaindre par rapport à ça. Hein. Donc, voilà, je suis fier d'annoncer que le nouveau visage de McFish and Chips allait dans l'enseigne de McMillan près de chez vous pour goûter spécial de Williams. Ouais, bon, c'est pas énormément de trucs, on va dire. C'est pas un énorme truc, mais bon. On va dire que... on va se faire plaire avec ça. Hein. Voilà, donc le retour avec l'Ajax. On verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on a tout marqué un but dans les deux matchs. Donc, de PSG, ça, on va le faire. Le premier, on l'a fait. On cherche un partenaire dans la profondeur. Il va s'appliquer sur ce centre. Oh, oula. Bien. Un corner pour virer en tête peut-être. Je veux pas qu'il me marque un but maintenant qu'on est en train de bien jouer, en train de mériter un pratiquement corner, un but, que c'est eux qui vont marquer. Hein. Putain, j'aurai la rage quand même. Hein. C'est bon, je l'ai. Je passe à lui. Voilà. Vas-y. Williams. Vas-y. Avance. Avance. Putain, il se fait rattraper. Il est pas vite. Plus loin sur cette action. Et même moi, je te recule à nouveau. Ouais, bien joué. Ah non, oui, c'est pas centrer, pour moi, ça va. Là. Je croyais que c'était pas pour moi. Ah, putain. Il a tout anticipé. Chier. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Danny Williams, te tire. Ça rentre pas, les gars. Ça rentre pas. On essaye 2-3 fois déjà depuis un moment donné. On essaye de marquer, etc. Mais ça ne rentre pas le ballon. Il veut pas rentrer. Il veut nous dire non. Prenez les ballons, les gars. C'est pas à moi de venir vous chercher les ballons. Je vous répète. Ah, c'est pas pour faire les fautes non plus. Hein. La faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Ah oui, jaune. Carton jaune. Oh, oh putain. Là, c'est... critique. Un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface, ce sera un bon début. Heureusement qu'ils savent pas jouer. Allez Williams. Vous voyez, ça c'est les moments où je dis ah, oh, c'est bon, je peux passer. Maintenant mon cul, je peux passer pas. Passe en profondeur et tire. Tire. Oui. Passe décisive. Mais oui gamin, avant la mi-temps, c'est ça ce qu'on veut. Oh mon dieu, la passe décisive là. Oh. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, le mec il commence à faire ses dribbles à la con, mais arrête de faire tes dribbles, tire tout simplement, hein, bordel. Ce change tout, hein. C'est plus, oh plus là là, même. Regardez, oui, avis, commence à faire ses dribbles, arrête, tire. Justement parce qu'il avait vraiment pas prévu ça. Voilà, une passe décisive, et c'est bon. Je sais même pas qu'est-ce que c'est nos objectifs aujourd'hui dans ce match.
mais une passe décisive on l'a en tous les cas. La note, je pense qu'on l'a aussi, donc on pourra se rapprocher, on pourra rien se rapprocher par rapport à la note. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Donc oula. Donc ouais, ça va pour l'instant. Mais bon, 1-0, c'est pas gagné. La frappe. Parce que ça peut vite basculer la possibilité pour le match. Cette équipe de revenir à donc, hauteur de son adversaire. Faut faire plutôt attention par rapport à ça. Peut tout de suite vite attention. La zone du point de pénalty. Ouais, bien joué. Bien défendu. Là tu peux siffler l'arbitre. Hein. Merci. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Alors, première mi-temps terminée, 1-0. Super performance pour l'instant de Danny Williams. Rien à rapprocher. On est en train de bien jouer. Et voilà. Donc ce fils de pute toujours à nous donner des trucs rouges. Est-ce qu'ils prennent leur temps? C'est trop risqué. Ben Chilwell. Mark Albrighton. Non, mais on passe pas maintenant, putain. Mauvaise décision. En profondeur, oui, vas-y, bien vas-y, vu. Vas-y, 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 passe. Ah, ouais, passe. Danny Williams, tire et le but. Daniel Williams qui marque. Ah. À peine je viens de parler que c'est pas pour aujourd'hui notre but. Eh ben, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Comme par hasard. Ouais, tombé du ciel. Une chance, au pauvre gardien. Belle action. Distance est quasiment imparable. De Danny Williams. Décidé, oh mon Dieu, 2-0. Là on est pour beaucoup plus rassuré. Bon rythme dans ce match. Sans avoir ce 1-0 là qui faisait peur. Ouais, faut dire, faisait vraiment peur. Allez, bon. Voilà. Ah, non, c'est pas bien fait ça. Reste en position. Attends, je suis plus en position que ça, je peux pas rester. Hein. Ma gueule ou quoi? Là c'est Schön. Prends la balle, prends la balle. Ouais. Eh bien l'intervention, ouais. Changement de possession. Kasper Schmeich. Défensivement, on est en train de souffrir. Okay. Hein. Williams. Hop. Ah, pas de problème, hein. Ça, le ballon circule bien. Ouais, ils font vivre le ballon. Et bim! Le bon ballon. En plein lucarne. Et le but. Le en plein lucarne. Williams. En plein lucarne. Mon Dieu. Ah, il est en jambe aujourd'hui, hein. C'est son deuxième but dans ce match. Quand on est en train de souffrir, Danny Williams, il nous sort des trucs comme ça, là, en plein lucarne. Je veux dire, mieux que ça. Ouais. Il reste que on a rien à dire. Minutes, mais il n'y a guère de suspense. Bien joué. Pas de problème par rapport à ça. Attention. Il va prendre le ballon, là. Ça marche pas. Ouais. Quoi, faute qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Pas vrai, ouais, mec, c'est pas faute, il n'y a pas faute. Voilà, c'est fini. Doublé de Danny Williams. Avec Danny Williams, c'est beaucoup plus facile qu'avec Alex Hunter. J'aurais jamais cru que ça. J'aurais dit ça un jour. Putain. Avec Alex Hunter, il faudrait qu'on commence à réfléchir des trucs, hein, parce que c'est vrai que c'est ça fait chier. 27 passes. Je pense que à un moment donné, hein, on va arrêter les conneries, hein. Que ça n'a pas fonctionné. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il regarde les maisons. Eh ben dis donc, où est-ce qu'on signe? Ça vaut des millions, ça? Avec 10% de remise. Je crois que c'est dans ton budget, Danny. Il est temps que tu déménages. Ouais. Mon gars peut pas te la réserver plus longtemps. J'ai dû faire intervenir mes relations. Je vous laisse Terry, une minute, les gars. Vous envoyez un message. Mais à ce prix-là, j'espère qu'il y a des domestiques inclus. Ouais, c'est juste que... T'as eu du bol, grenasse. Réalité, la prochaine fois, c'est pour moi. T'as l'air plutôt pressé de conclure cette affaire, mon vieux. Le mec, il n'arrive pas à se soulever après la défaite. Quelque chose de ton côté. Hein ? Ok, t'as des Williams qui se barrent comme ça, à l'arrache. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris le beans là. Entraînement fini, entraînement raté, va te faire enculer, toi et ta pute de merde, j'ai envie de dire. Ouais, le gardien hyper cheaté, tu me fais ça pendant le match, je suis content, mais tu me fais pas ça pendant l'entraînement, espèce d'enculé de ta mère, va. Putain, hyper cheaté le mec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de jouer à FIFA. Oh non, mais c'est quoi ce jeu? C'est plus facile sur un vrai terrain. Ok. Train de jouer à FIFA. Tentative.
C'est rentré. Félicitations, ça c'est un but. Electronic Arts commence enfin à reconnaître le génie de Danny Williams. Je vais l'appeler. Ah ok, c'est là qu'il a appelé Alex pendant qu'il était au shooting. Téléphone d'Alex Hunter. Voilà. Oui, est-ce que je pourrais parler je peux laisser un message. On n'est pas plus poli. Culé. Qui va faire des cauchemars maintenant? Le mec en train de jouer à FIFA, tranquille. Je suis concentré les gars. Pourquoi on passe jamais? C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué en fait. Tout dépend de... Allez, et de la participation allez les gars. Offensive des deux ailiers. Et... Bravo oh, passe décisive de Alex Hunter. Ah non, je rigole, c'est de Danny Williams. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Voilà, bien fait, vite fait. Son pied plus faible, hein. Tic. Voilà, ça passe. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi vu de sa performance? Et on continue à faire la même merde, toute l'équipe. Marqué, juste avant la mi-temps. Allez, pourquoi pas et voilà. Et voilà. Et oui, le but. Ça, je le craignais. Je le craignais. Je le savais que ça allait venir. Je le savais que ça allait venir. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand on ne joue pas. Quand on le laisse jouer. Quand on ne commence plus à réfléchir. Allez, tout. Daniel Williams. Allez, Danny Williams. Oui. Voilà. Putain. Qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat. Oh la vache. On a vite réagi. Heureusement que eux, ils ont un peu lâché en défense. Que nous, on a pu avancer tout de suite vers l'avant. Heureusement, regardez. Ils se sont allés là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés. Putain. Ça joue. Il tacle. Ouais. L'arbitre oh mon dieu, qu'est-ce que c'était vraiment, vraiment abusé. Qu'est-ce que c'était abusé. Oh mon dieu. Trop. Trop abusé. Mon dieu. Bon, on a tout réussi à notre performance, donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème, on a réussi. Et on peut s'estimer heureux qu'on a réussi aussi ça. Très souffert, je vois une équipe qui est en train de lâcher beaucoup. J'espère que ça va pas continuer comme ça dans cette Champions League parce que ça va faire vraiment peur. Surtout que maintenant on va avoir à nouveau le PSG. Et le PSG, je vous ai dit aussi la dernière fois, pour moi il est supérieur au Leicester, clair et net. Donc je pense que là on devrait pas être un génie pour le savoir. Que Leicester est moins faible, enfin est plus faible, pas moins mais plus faible que le PSG. Donc on verra comment ça va se dérouler prochainement. Voilà, je termine ainsi cette vidéo et parce qu'on doit changer, on doit aller chez Kim. On se laisse là, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne NortExcelPa, laissez-moi un like et aussi très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.